La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. Force G, ce sont ces cinq jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Je travaille 365 jours par semaine et 366 les semaines bissextiles. C'est beaucoup pour un petit robot. Heureusement, de temps en temps, le calme règne sur les galaxies que je surveille. J'en profite pour, je n'ose pas dire, me détendre, car il suffit que je prononce le mot de pause-graissage pour que, immédiatement, l'alarme se déclenche. Je crois que je dois être marqué par la fatalité. Ce coup-ci, on dirait que quelque chose s'approche de Bayville, qui est, comme vous le savez, le grand port de notre Terre. Est-ce une attaque contre les réserves de carburant de notre marine ou simplement un passage de baleines en pleine migration? Mon système de surveillance n'a rien contre les baleines et s'ils s'affolent, ça n'est sûrement pas à cause de ces paisibles mammifères marins. Mon petit quartz me dit d'aller voir ça d'un peu plus près. J'ai l'antenne gauche qui bourdonne. Est-ce que mon ennemi Zoltar parlerait de moi? Tout a l'air calme pourtant. Très romantique, toutes ces lumières. Néanmoins, je me fais de la mauvaise huile. Cette baleine n'a pas l'air catholique, pas du tout. Ou alors, elle a été très mal élevée par sa maman. Elle a toute la baleine délinquante. Attention, Bayville, alerte de première grandeur, évacuation immédiate! Je vais appeler Marc, qui fait cette nuit une reconnaissance en solo. Nom d'un innocent, j'ai perdu le contact avec Bayville. Ça se corse, comme disait mon amie Joséphine de Beauharnais. Mon Dieu! Encore des ennuis qui se préparent. Ici 7 Zark 7, tu es là, Marc? Je suis là, Papa Zark, je t'écoute. Marc, mes écrans de contrôle m'indiquent qu'une baleine géante est responsable des explosions qui ont eu lieu à la raffinerie. Zark, les baleines ne mangent pas de pétrole. Depuis Jonas, je me méfie. Appelle les autres et rendez-vous au Phénix aussi vite que possible, compris? Entendu. Hyper bombe! Thank you.
baleine? Ne t'inquiète pas, Kipo. Nous ne tuerons aucune baleine aussi longtemps que je commanderai ce vaisseau. Des centaines de gens ont aperçu cette baleine géante. C'est vrai, Marc. Il peut s'agir d'une baleine tueuse. Ces baleines se dirigent vers l'Arctique pour y rejoindre leur aire de nourriture. Pour l'instant, elles n'ont qu'un seul souci, protéger leur nouveau-né. Moby Dick ! Nous n'avons rien à craindre d'elles, Kipo. Oh, tu as vu comme elles sont en formation parfaite ? Je ne vois aucune baleine géante dans ce troupeau, mais allons quand même jeter un coup d'œil à Lumette. C'est parti, mais tu as raison, je crois qu'il n'y a aucun danger, Marc. Pas sûr, l'océan est très vaste. Exact, Thierry, et les baleines y jouent un rôle écologique très important. Je souhaite de tout mon électro-aimant que mes petits prouvent que les baleines ne sont pas responsables. C'est très gentil, une baleine. J'aimerais bien en avoir autour du centre Neptune, surtout des baleines à bosse, celles qui chantent. Quelque chose a surgi à l'horizon, mais je ne vois pas ce que c'est. Eh bien, moi, je le vois, c'est notre fameuse baleine géante, mais c'est une baleine mécanique. Allumette, ne le lâche pas d'une semelle. Oh, vive, on va faire des gars. Ce bébé vient de perdre sa maman. Gros papi bébé, pauvre bébé. Gros malheur. Rattrape-la, Allumette. Montrons-lui de quel bois on chauffe. D'accord. Dépêche-toi, Allumette. Prépare-toi à plonger. Mommez-moi pas de ces bébés. Regardez, une bande de requins fonce vers le bébé baleine. Le pauvre n'a pas une chance de s'en tirer. Absolument faire quelque chose. Kipo, nous ne pouvons pas laisser échapper ce monstre. Rabi, Babou, bébé, avoir besoin de nous. La Terre a besoin de nous pour arrêter ce monstre. Toi, grand lâche, pas laisser bébé abandonner. Moi, aller sauver bébé baleine tout seul. Kipo! Quand notre petit Kipo a quelque chose dans la tête, pas moyen de lui retirer. N'est-ce pas? Eh oui, c'est pour ça qu'on l'aime. J'ai les plaquettes qui commencent à refroidir. Dieu merci, les baleines sont innocentes. Regardez comme les enfants s'amusent. Kipo a baptisé son nouvel ami Baby Drôle. Ils n'auront pas le temps de jouer longtemps. Monsieur Cavelier attend la force G. Il a des ordres à donner. Je vais aller droit au but, messieurs. La race des baleines sera en voie d'extinction tant que ce monstre mécanique sévira dans la mer. Nous supposons que Spectra a manigancé tout cela dans le but de détruire l'équilibre qui règne dans les océans. Si les baleines sont exterminées, le monde sera en danger. Zark a discuté avec Baby Drôle en Espéranto Interespace et le petit baleineau a accepté de collaborer avec nous. Mais enfin, monsieur, il est beaucoup trop jeune. Oui, c'est exact, Marc, mais ce bébé sait que la vie de tous ses congénères dépend en grande partie de lui. Nous l'avons équipé d'un transmetteur qui nous permettra de remonter jusqu'à la base de Spectra.
Il est d'ailleurs déjà sur la trace d'un de ces monstres. Quelle chance un baleineau peut-il avoir seul dans l'océan contre toutes les forces de Spectra réunies? J'admets que les chances sont minces, Marc, mais il faut les tenter quand même. N'oubliez pas que ce qui est arrivé à sa mère peut arriver à toutes les baleines. Oh, force G va aider Baby Drôle? Oui, Kipo, la force G suivra ton bébé comme son ombre. Vous êtes sûr que nous le localiserons? Le transmetteur qu'il porte sur lui est absolument infaillible. Zark et moi-même l'avons équipé d'un système qui vous permettra de suivre le baleineau et sa proie sur un de vos scopes radars. Pour l'instant, ils doivent se trouver dans les parages de l'Arctique. Nous devrons donc suivre Baby Drôle partout où il nous conduira, oui, c'est bien cela. Exactement, et nous espérons que ce sera vers la base de Spectra. Ah, nous arrivons, Baby Drôle! Enfant, je commence à me faire une huile d'encre. J'ai pu suivre la progression de Baby Drôle, qui sert en quelque sorte de guide à mes petits pour découvrir la base de Spectra. Mais depuis quelques secondes, le bip que lance son transmetteur semble indiquer que le baleineau s'est immobilisé bizarre. Cette fois-ci, il va falloir que je réclame. Il faut qu'on me donne un bon essuie-glace. Si je pouvais localiser Baby Drôle, je suis très très inquiet. Il est intelligent, seulement il est si jeune. Il n'est pas programmé pour la guerre, lui. Un baleineau dans la force G. Il n'y a plus de jeunesse. En attendant, moi je n'ai plus un roulement de sec. Oh, c'est pas vrai. Le voilà qui essaie de se faufiler dans la banquise. Il se prend pour un brise-glace, ce gamin. Je vous parie qu'il va s'enrhumer. Pourvu qu'il ne se mouche pas dans son transmetteur. Si cet avorton continue à se balader ainsi, il va sûrement perdre le contact avec mes petits. Baby Drôle a dû se perdre. On dirait qu'il tourne en rond pour trouver une ouverture dans les glaces. Ou alors il a trouvé la base et il tourne autour. C'est ça. Je reçois un signal droit devant. J'ai l'impression qu'il a trouvé le bon coin. Et si on allait vérifier? Anti-alti allumé. On va jeter un coup d'œil. Thierry et moi, nous allons en reconnaissance. Et vous trois, vous resterez en alerte. Oh, mais moi vouloir venir. Kipo, n'oublie pas que c'est Marc qui commande ici. Aidez mon copain. Ça n'a rien d'un igloo Eskimo. Cette antenne radar est en plein travail. Et je me demande pour qui. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir? Un carton d'invitation? Non, la poste est trop lente. Thierry, à toi! Spectra! Ces deux gars avaient l'air bien trop polis pour être honnêtes. C'était louche. On a piqué deux agents de Spectra. Mais ça n'est qu'un poste de guet, pas la base principale. Marc à Phoenix, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Pas question, commandant, on t'écoute. On a neutralisé une station radar de Spectra et on a fait deux prisonniers. Moi être sûr. Ah, bribro, bravo, Baby Drôle. Allez vite, Kipo, suis-moi. Je vais faire une petite sieste. Oh, gros tito, toi pas fatigué? Que les crabes robots transportent les torpilles atomiques à bord des baleines sous-marins. Ça fonctionne, ce truc? Nous allons bien voir. Ça fonctionne, j'ai un écho. Si je sais lire un sonar, on est juste au-dessus du baleineau.
Allez, Kipo, plonge le perforateur et reste à l'écart. Il risque de nous envoyer quelques rochers. Et voilà le travail, les enfants. Allez, suivez-moi. Ça m'a tout l'air d'être la base de Spectra. Nos sous-marins sont prêts à attaquer les baleines qui émigrent vers l'Arctique. C'est parfait. Il n'y aura bientôt plus trace de baleines sur cette maudite terre. Princesse, si nous nous chargions d'interrompre cette charmante surprise partie. Avec joie. Allez, Force G, envoyons leur sang en souvenir de la mère de Baby Drôle. Vous êtes tous prêts? On y est! Toutes les baleines du monde comptent sur nous. Il ne faut pas les décevoir. Toi aussi, sale bestiole! Ça m'a tout l'air d'un piège. Roger! Kipo! Attrapez-moi, imbécile! Crevez de faim, fais faux, fiche le camp! Toi, entendre? Pas rester là! Pipo, partir océan, compris? Mino, nager! Pli, pla, plé, plonger! Kipo, allez, viens nous donner un coup de main. Quoi, attends, ça, si c'est sauvé, Baleno. Il faut sortir d'ici, tout va exploser. J'ignore comment ils sont entrés, mais même la Force G ne pourra nous arrêter. Alors utilisez la baleine géante immédiatement. Cela sera fait, Zoltar. Tu y as tout intérêt, sinon je t'expédie en enfer à l'instant. Kipo, allez, viens, dépêche-toi. Non, pas question. Moi, restez pour abri protégé, Baby Drôle. Il s'en tirera très bien tout seul. Kipo est parti. Parti, mais parti où? Retournons au Phénix. Nous avons battu la Force G. Maintenant, la victoire est à nous. Bientôt, les océans du monde nous appartiendront. Aucune trace de Kipo et de son ami. Marc, on ne peut pas abandonner Kipo et Baby Drôle. Monstre de Spectra droit devant! Laisse tomber les monstres. Il faut sauver Kipo et Baby Drôle avant que toute la base ne soit détruite. Non, Thierry. Nous allons nous occuper des monstres. C'est un ordre. Allumette, Maxi Gaz. C'est parti. L'ennemi approche à toute vitesse. Ordre général, préparez-vous à abandonner le navire à l'instant même. Les petits ont sauvé les baleines. Mais qu'est-il advenu de Kipo et de son copain?
crois qu'ils ont réussi à s'en sortir, Marc? Qui pourra risquer sa vie pour sauver son jeune ami? Oh, c'est vraiment un garçon très brave. Crois-toi voir Nan et nous avoir réussi. Crois-toi être sauvé maintenant. Plus avoir besoin de ça. Yo, au revoir, baby drôle. Kipo, à force G. Zoltar, t'es dit, tout va bien. Si je comprends bien, Zoltar avait l'intention de déséquilibrer l'éco-jolie des mers. Je veux dire, l'écologie des mers. Dans le fond, il ne faisait que reprendre les vieilles habitudes des pêcheurs du XXe siècle. Oui, un nonos, c'est triste que Kipo et Baby Drôle aient dû se séparer. Aussi triste que si on devait se séparer, toi et moi. Mais un baleineau serait très malheureux dans un aquarium. Surtout en grandissant, il se sentirait un peu à l'étroit. Je parie qu'il reviendra nous voir un de ces jours. Les baleines ont une grande mémoire. Et il se souviendra qu'il a lui aussi appartenu à la force G.